sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my chores. Cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days. Et salut à tous, c'est Furyu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ, vidéo qui va avoir pour but de faire la mise à jour. Dans un premier temps, je tiens à m'excuser, hein, l'activité de la chaîne pour le moment elle est un petit peu basse cette semaine. Et bien parce que vous le savez, je suis en tentative de qualification du Jamia avec le compte de Galata, donc entre les débriefings, les entraînements, la qualif et tout. Il était effectivement vrai que je n'ai pas eu beaucoup de temps de faire des vidéos, plus la vie est réelle, le farm des jeux, tout ça. Donc ça a pris du temps. Ça prend du temps et j'essayais quand même de maintenir le rythme des vidéos un peu plus fréquemment. Donc on va déjà commencer par faire le tour de la mise à jour avec cette vidéo. Et normalement dans la semaine je vous sortirai aussi la vidéo de comment se préparer à Shijima, qui est un perso qui va arriver normalement incessamment sous peu. Je n'ai pas encore eu le planning, je ne sais pas quand. Du coup, on a un rerun de yoga qui ne rejoindra pas la piscine, comme ils disent, directement après sa bannière. Bon, j'espère qu'il va rejoindre quand même le pool assez rapidement. Ce serait le seul GC qui ne sera pas dans le pool. J'aimerais bien, parce que c'est un perso que je n'ai pas monté beaucoup. Hein. Il a 2 skills up. Donc, j'aimerais bien le monter. C'est un perso qui est intéressant, que vous voyez, je joue sur le compte de Galata pour la qualification du Jamir. Maintenant, on a vu la différence entre un yoga un petit peu monté et un yoga très très monté. Donc c'est un perso que j'aimerais bien monter, donc s'il est ajouté au pool, ça ne me dérangerait pas d'avoir des doublons. On a un nouveau Cosmo qui est arrivé, donc on va regarder rapidement effectivement de quoi il s'agit. On a la saison 5 de la volonté des étoiles, le Star Wheel, qui est arrivé. Donc là, eh bien, ça coûte des diamants. Des diamants. Alors il y a un petit délai, donc je vais réduire ce délai parce que c'est pas possible. Hop, voilà. Donc la saison 5 du Star Wheel qui est arrivée, qui va renforcer certains personnages, notamment le Hypnose qu'on voyait plus trop, qui va être renforcé par sa présence dans le Star Wheel. Donc plutôt intéressant. Maintenant, vous le savez, hein, le Star Wheel ça coûte énormément de ressources, et plus ça va aller, plus vous allez monter, plus ça va coûter de ressources. Et il y a un moment, ça devient juste aberrant, hein, quand on entend certains chiffres de certains levels à passer. Ouais, non, il y a un moment où ça va être stop. Ou alors, il va falloir qu'il donne plus de ressources que ce qu'il donne actuellement. Et je pense que c'est ce qu'ils devront faire, parce qu'à un moment donné, veut pas, quand on va avoir tous plusieurs persos dans le Star Wheel, eh bien on y arrivera dans ces levels 30-40, et on y arrivera dans ces ressources qui seront juste insoutenables pour les gens. Donc il va falloir effectivement, alors soit que vous commenciez d'ores et déjà à vous y préparer, ce que je vous conseille de faire, soit il va falloir qu'ils trouvent un moyen de faire effectivement plus rentrer des ressources pour le Star Wheel pour les joueurs, sans qu'ils passent par le porte-monnaie, parce que j'ai entendu des levels où ça coûtait 1000€ de passer un level. J'ai pas envie de mettre 1000€ pour passer un level du Star Wheel personnellement. On a la saison 14 des médailles Sen qui est arrivée avec un skin d'Aphrodite, bah en fait juste son casque, hein. Voilà. On a les rabais promotionnels sur les médailles, donc on ira voir ce que c'est. Le Lucky Cat qui est toujours présent, et les rabais sur la volonté des étoiles. Donc, eh bien, tout ça pour dire qu'on va commencer par aller faire un petit tour dans le magasin. Alors, je vais découvrir en même temps que vous, hein, parce que je vous avoue que le magasin, j'y ai pas touché aujourd'hui. Du coup, donc ça, c'est les petits packs. Hein. Comme je vous ai dit, ça, gardez-le pour le pack à 250. On a le pack sans étoiles avancé pour 6000 coupons qui commence à être commun. Celui-ci aussi. Le yoga, le pack yoga à 3000. Peut être sympathique, hein. Ça peut toujours être cool. Le pack limité, si vous voulez pull sur yoga, hein, les étoiles limitées, c'est une bonne source pour pull sur yoga. Ça, vous faites attention, c'est une récompense aléatoire parmi toutes les récompenses. Donc, vu qu'ils le remettent là, je suppose que il y en a plusieurs qui se sont fait avoir comme moi. Le super pack volonté SS, donc qui vous donne des pierres pour le Star Wheel et un skill tome de compétences pour un SS. Pourquoi pas. Le petit pack pour les moins cash players d'entre vous. Donc pour 600 coupons, vous avez quand même 10 pierres de renforcement de compétences et 30 pierres de renforcement de volonté des étoiles. Au final, si vous n'avez pas besoin d'un doublon de SS,
Moi, je vous conseille plutôt ça si vous voulez vraiment cibler le Star Wheel, plutôt ce pack-là que ce pack-là. Voilà. Parce que là, au final, c'est les mêmes quantités pour 5 fois le prix à cause du doublon de SS et des 30 étoiles. Donc, si vous êtes un peu short en étoiles comme moi et qu'il vous manque un doublon de SS pour passer au skill supérieur, ça peut se regarder. Mais si c'est vraiment pour cibler le Star Wheel, honnêtement, celui-là est beaucoup mieux et beaucoup plus intéressant. Je vous conseille plus celui-là si vous voulez monter votre Star Wheel que l'autre. Le pack de points de cristal de glace, donc qui vous donne un doublon de yoga GC, des pierres de raffinement, des verrous de raffinement et des gemmes avancées. Ça fait cher, je trouve, mais ça vous donne un doublon de yoga GC. Si vous l'avez déjà, bon, ça peut se laisser, mais pour moi, ça fait un peu cher. Le pack surprise, on n'en parle pas. Ça, c'est ça. On va en parler plus tard du papillon Jade. Le pack limité, pareil. 300 stams, 10 éclats, 15 gemmes astrales à durée limitée. Si c'est pour pool sur yoga, c'est intéressant. Ça, j'ai envie de dire, c'est le minimum syndical. Hein. Vous voyez, quand je vous dis, il faut pas qu'il y ait dans le coût de la boîte, il faut pas que les gemmes soient à plus d'un dollar. Vous voyez, par exemple, ça, on a régulièrement ça à 99 dollars. D'accord? Donc au final, pour 99 dollars, vous avez 100 gemmes avancées, 500 boîtes de fleurs. Si vous prenez ce pack-là 99 fois, vous avez 99 gemmes, 99 éclats de skill tome, donc 3 skill tome et plus, et 1800 stam. Bien plus payant. Enfin, pour moi, je trouve que c'est plus payant. Le pack limité d'aide du signe, donc bah c'est cher, trop cher. Bah, c'est les packs normaux. On a le sac de chance de fleurs si vous voulez monter vos temples. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous avez des packs de fleurs. Les Mazai Élite. Le réincarné pour monter le petit temple de Shion. Donc ça, il y a de fortes chances que j'en prenne cette semaine. Hein, parce que je vais recevoir mes 400 waypoints. Donc voilà. Et puis bah c'est tout là-dessus. Est-ce qu'on a quelque chose là-dedans? Rien du tout. La boutique Kido, on passe toujours récupérer ces petites boîtes. C'est toujours sympathique. J'ai eu peur aujourd'hui. J'ai ouvert mon compte comme ça. Et il n'y avait plus rien dans mon inventaire. Oh, oh je capotais. J'avais peur. Hein. J'avais peur. Au niveau des events, donc on a la deuxième partie de Aider Legend Saint. Donc 10 dollars pour un doublon de Yoga GC ou Gemini Cannon ou Mu ou Miu ou Lune ou Shakaraya ou Ayakos ou Shion, plus des petites récompenses à côté, on s'en fout, c'est plutôt le doublon. Un doublon pour 10 balles, je vais le prendre. Parce que bon, comme je le dis, moi je trouve que cette action peut être bien. On a eu un doublon, je crois que c'était dans ces eaux-là, hein, le doublon de S qu'on avait eu pendant le Black Friday. Bon bah voilà, hein, c'est quelque chose que j'aurais regardé effectivement et que j'aurais pris parce qu'il y a le doublon de Yoga GC dedans que je l'ai dit, je veux monter un peu. Donc eh bien pour moi ça me semble intéressant effectivement de prendre ce pack-là. Maintenant à vous de voir ce que vous avez besoin et si c'est vraiment intéressant pour vous. Hop, donc ça on va récupérer. Comme vous pouvez le voir, effectivement j'ai monté un petit peu le Star Wheel qui est sorti, hein. On a quelques ressources disponibles si vous voulez récupérer. Bah, tiens, regardez, hop, ça déjà, ça se prend. Si vous voulez monter votre Star Wheel, eh bien voilà, c'est des petits packs qu'il faut regarder. Comme ça, moi j'en ai plus. Donc bah là, 10%, c'est mieux que 20 diamants pour 1. Donc bah, je prends. Bon, ça va falloir que je le fasse avant la fin de la journée. Vous avez ici un shop d'échange pour la lumière astrale. Pour le doublon de Poséidon, c'est intéressant. Pour la boîte de Chion du Bélier, on va regarder avant. Vous avez au moins une pièce de Chion dedans. Ça fait deux pièces de Chion pour 150. Ça peut être intéressant. Deux shards pour 20. Ça veut dire qu'il vous en faut 15 packs comme ça. C'est pas intéressant parce que vous en avez un avec 250 le week-end. Ici, vous avez quoi? 20 pierres, 20 verrous pour 60. À vous de voir si vous donnez la même valeur
De 4 boîtes comme ça, donc 80 pierres de raffinement et 80 verrous de raffinement, 15 kill dôme, pour moi non. 8ème sens, non, c'est mort. Volonté des étoiles, non, moi je trouve que non. Qu'en gros, il y a la box de Shion qui peut être intéressante si vous n'avez pas encore le RC. Personnellement, bah regardez, on va le faire tout de suite, je vais la prendre. Et le skill de Poséidon, si vous voulez monter votre Poséidon, moi il est assez monté, je le joue pas de toute façon, donc il va rester comme ça. Là, on a le rabais sur la saison des médailles avancées. Donc, on va aller faire un tour dans la saison des médailles avancées et voir ce qu'il y a d'intéressant à l'intérieur. Mais généralement, c'est toujours payant les médailles avancées. Le pool à thème, voilà, sur Yoga, bah voilà, c'est toujours la même chose. Les dépenses totales, le bateau en arène chevalier, les connexions mensuelles avec ce mois-ci, j'avais pas regardé le super kiki que tout le monde doit avoir. Donc, bon, voilà, rien d'exceptionnel. Au niveau de la médaille de chevalier, donc on a le skin d'Aphrodite, bien entendu, c'est un truc que je vais prendre. On a quand même beaucoup de lumière du sanctuaire. On a quelques trucs pour le Star Wheel. Ouais, donc ça reste des fleurs. Ouais, ça reste une saison de médaille de chevalier bien bien ordinaire, mais toujours payante. Hein, donc je vous rappelle, hein, médaille de chevalier améliorée pour avoir la deuxième ligne, c'est 720 coupons. Honnêtement, c'est rentable. Hein. Enfin, encore une fois, c'est un gacha, donc il n'y a rien de réellement rentable. Mais au vu de, si vous êtes cash player, si vous voulez investir 720 coupons pour toutes les récompenses que vous allez récupérer sur la deuxième ligne, dont un skill d'Aphrodite qui est un perso qui est encore joué à l'heure actuelle, ça me semble relativement peu cher par rapport à ce que nous avons d'habitude. Au niveau justement du Star Wheel, donc. On a la volonté physique donc, que j'ai monté un peu grâce à CIAGC. Hein, donc voilà, plutôt sympathique. Le cosmique, bah, malheureusement, le Orphée n'est pas monté. Autant pas parler de la Mayura qui n'est pas montée. Donc j'aurai pas grand-chose qui va rentrer dedans. Ici, il y a le Poséidon qui va rentrer. Tout à fait. 400 diamants, donc là je les ai plus, hein. J'avais que 1200 diamants d'avance, je m'attendais pas à avoir une saison du Star Wheel tout de suite, mais le Poséidon va rentrer dedans, c'est sûr. Ici le Hypnos est arrivé, donc bah, je l'ai rentré, clairement je l'ai rentré, et pour moi c'est important de le rentrer, Hypnos, ça va lui donner quand même un bon boost au niveau de l'attaque P, donc bah, c'est toujours... Toujours rentable hein, d'avoir un perso dans le Star Wheel que vous aimez jouer. Et moi, vu qu'Hypnose, j'aime le jouer avec Aiolia, et eh bien c'est plutôt sympathique d'avoir un petit bonus d'attaque P en plus sur lui. Ici, Krishnaz. Moi, j'ai pas monté mon Krishna, donc pour le moment, il rentrera pas vraiment dedans. Hein, on va se le dire clairement. Maintenant, ça veut pas dire qu'à un moment donné, je le rentrerai pas. C'est sûr qu'à un moment donné, ils vont tous y aller dans le Star Wheel. Et puis on a fait le tour. Donc voilà, à vous de voir ce que vous voulez. Hein. Vous voyez, mais Star Wheel, c'est pas des Star Wheel de top player. Hein. Très clairement, c'est du bas level. Mais il va falloir que je fasse un effort là-dessus au moins. Et donc bah, que je monte. D'ailleurs, hop, zou. Ici, on peut monter aussi. Zou. Et là, c'est mort. Il va falloir que je monte les persos qui vont dedans. Donc Sorrento. Hein. Sorrento, va falloir le passer. Voilà, il y a plein de persos que j'ai à monter, je l'ai un peu monté, mais je l'ai pas fini. Le yoga, pareil, le black yoga, bah, il est un peu monté, mais il n'est pas fini. Il va falloir que je finisse tout ça pour gagner le bonus de speed, parce que ça va être important. Donc même Krishna, il va falloir qu'il passe 80. Hein. On va donner un petit coup de boost là-dessus, parce que je pense que c'est important. Pareil, les fleurs, ça va être important de taper dessus. On va aller maintenant, et pour finir, voir le dernier Cosmo qui est sorti. C'est pas là, c'est dans le Codex. Ici, Codex de Cosmo. C'est un jaune. Le Papillon de Jade, qui va vous donner de la chance statue et de la vitesse, avec un PV de plus 10%. Je suis pas convaincu. À voir. Ça me semble être un peu la même chose que ça, avec de la chance, ce statut. À voir si ça peut remplacer un CIA, ça peut effectivement, à mon avis, rendre plus rapide un Mew, oh là là là,
un Minos, ça peut rendre plus rapide un yoga GC, ça peut rendre plus rapide beaucoup de choses, qui est du contrôle en tout cas, donc ça pourrait être intéressant. Maintenant, avoir les values de tout ça. D'ailleurs, il est éclairé, ça veut dire que j'en ai chopé un quelque part, moi, de ça. Ça semble bizarre, ça. Bah ouais, bah, j'ai pas cash-play. Je sais pas où je l'ai chopé. Bon, on va le monter au maximum, on va voir combien ça donne. Ok, donc au final, ça vous donne plus 6,60, plus 6,6% et 7 de vitesse. Ça c'est vraiment pour aller titiller le maximum d'optimisation de la vitesse, parce que hein, vous perdez quand même du point de vie. Hein. Vous perdez comparativement à du CIA, vous perdez du point de vie. Déjà que les contrôles sont plutôt faiblards en termes de tankiness, je suis pas sûr qu'on en verra beaucoup. Pour de l'opti, si vous voulez vraiment un yoga plus rapide, un Garuda plus rapide, même Garuda, non, ça sert à rien. Juste yoga vraiment très rapide, pourquoi pas. Un Shaka, pourquoi pas. Par contre, faut savoir que bah, du coup, vous perdez énormément de points de vie comparativement à ce qu'une Seiya peut vous apporter. Donc, est-ce que réellement 21 points de speed peuvent rapporter, enfin, faire autant que. À peu près 7000 points de PV perdus. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Ce Cosmo-là ne m'irrite pas au point d'aller dire ah faut que j'en achète, faut que j'en achète. Voilà. Ça peut être intéressant dans certaines situations, mais globalement ça va rendre des persos qui sont déjà très faibles en termes de PV et de défense encore plus faibles. Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas emballé par ce Cosmos. Donc, à vous de voir. Je pense que ça peut être utile dans certaines situations, dans des cas très très précis, mais que dans la majorité des cas, un Seiya sera plus intéressant que ce Cosmos-là. Voilà. Eh bien, on a fait le tour de la mise à jour. J'espère que ça vous plaît toujours, que l'expérience du Jamiar que je tente actuellement vous plaît également. En tout cas, on va continuer comme ça. Donc, ça sera soit sur ma chaîne, soit sur la chaîne de Pix. Du coup, c'est pas encore décidé dû au problème technique qu'on a subi hier. Enfin, pour vous, ça sera avant-hier. Du coup, on verra ce qu'il en est avec Galata. Puis, bah, maintenez-vous sur la mienne ou sur celle de Pix abonné, et puis bah, vous aurez l'alerte du live qui pop. Mais c'est sûr, vous allez pouvoir suivre les phases de qualification et possiblement après sur nos chaînes. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!